Et un jour, j'ai une dame qui m'a contacté, qui me dit, j'ai vu que vous aviez une annonce, est-ce que c'est possible que vous logiez un jeune qui a trouvé un apprentissage sur Salertem? Cette dame-là était éducatrice référente de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. C'est elle, l'éducatrice, qui avait fait les courses pour la semaine, qui lui a rempli le frigo, qui lui a tout fait jusqu'à son lit. Le lendemain, le voilà qui débarque avec la copine. Et la fille, je lui dis, mais tu n'as rien à faire ici, tu sors de cette chambre. Elle n'a jamais voulu. Il s'est braqué comme tout devant la fille. Je paie le loyer, j'ai le droit de savoir qui je veux. J'ai dit, écoute, tu ne peux pas le loyer, c'est le conseil général, et en cours, pour l'instant, je n'ai pas eu un sou. Hein, pas un euro, rien du tout. Il me hurlait dessus. Il m'agressait verbalement. Donc j'ai dit, moi, je ne garde pas. J'ai dit, non, un comportement comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai appelé son éducatrice référente. La référente a mis plus d'une heure à arriver. Et elle m'a dit qu'elle était pas tranquille de venir toute seule, donc elle était allée chercher un autre éducateur. Et l'éducateur était noir, et peut-être qu'il était guinéen, parce qu'à un moment, il parlait en africain, ensemble. Et il a réussi, l'éducateur noir, à calmer Maka. Donc, ils ont ramassé toutes leurs affaires, et la dame m'a dit, je ramène tout le monde. Bon. Puis, au moment de partir, je vois Maka qui court dans le jardin récupérer le vélo. Le patron lui avait prêté un beau vélo pour qu'il puisse aller directement à l'entreprise en vélo. Et je dis, mais le vélo, là, il est au patron. Je dis, pourquoi vous ramenez le vélo à La Roche-sur-Yon? Oui, de toute façon, je vous avais dit que je ne voulais pas habiter à Saint-Lertin. Je veux habiter à Chalon, parce qu'il avait des copains à Chalon. Et qu'est-ce qu'il attend le conseil général pour me payer mon scooter? Parce que le conseil général lui avait promis un scooter. Mais le patron, quand il y a eu des problèmes, le patron est venu me demander ce qui s'est passé, m'a dit, de toute façon, moi, je ne vais pas le garder. Ils m'ont rappelé, une autre éducatrice de La Roche-sur-Yon m'a rappelé en me disant, on a un jeune à placer parce qu'il fait un apprentissage à Saint-Lertin. Ah, j'ai dit, non, je suis échaudé. Hein, j'ai dit, non, vous pouvez aller chercher ailleurs, moi, je ne le prendrai pas. Bah, moi, je pense, oui, que l'on va droit dans le mur, parce que c'est... ils arrivent en pays conquis. Hein, ils ont tous les droits. Ils sont souvent aidés par des assistants sociaux qui leur donnent leurs droits, mais ne leur donnent jamais leurs devoirs.